Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va discuter de l'importance que tu dois accorder à la régularité plutôt qu'à l'intensité si tu veux obtenir des résultats durables dans ton entraînement sportif. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir accès à tous les conseils. Il y aura une petite surprise en fin de vidéo. En attendant, générique. Point numéro 1, nous allons voir pourquoi la régularité compte. Il est souvent tentant de se lancer dans des séances d'entraînement intenses et de tout donner, mais souvent on oublie que la cohérence, c'est la clé pour de meilleurs résultats à long terme. Donc commencez déjà par être régulier dans votre pratique. Ensuite, ton corps et ton esprit vont s'habituer réellement à ton entraînement et répondre progressivement aux demandes de ton sport et de l'intensité que tu vas demander à mettre sur chaque séance. Ça va te permettre de t'améliorer de manière constante au fil du temps. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place un plan d'entraînement réaliste dans un premier temps, surtout réalisable en tenant compte de ton emploi du temps, de tes contraintes, de ton niveau de condition physique actuelle, et surtout garde à l'esprit que nous voulons des progrès durables. Donc la régularité, c'est d'une importance vraiment capital pour toi pour pouvoir tenir dans le temps. Il ne s'agit pas de mettre toute l'intensité du monde sur une semaine, de ne plus réussir à faire du sport correctement pendant 3 semaines parce que tu n'as pas tenu en compte tes différentes contraintes. Et on passe au point numéro 2, surtout les avantages de la régularité. La régularité en termes d'entraînement sportif, ça présente de nombreux avantages. Premièrement, elle permet de renforcer notre discipline et notre engagement envers notre objectif. En réalisant des entraînements de manière plus régulière, même lorsque nous ne sommes pas motivés, nous développons une routine et une mentalité de persévérance. Deuxièmement, la régularité, ça va surtout aider à réduire les risques de blessures. En respectant des séances d'entraînement régulières, notre corps s'adapte progressivement aux charges, aux mouvements sollicités par notre sport, et ça diminue le risque de blessures dues à une surcharge qui serait beaucoup trop soudaine. La régularité, ça va également favoriser la récupération musculaire. En planifiant correctement tes séances d'entraînement de façon régulière, avec des moments de repos adéquats, et ben ton corps, il a le temps de récupérer et de se renforcer en améliorant ainsi ta performance vraiment global. Maintenant que tu comprends l'importance de la régularité, je vais te donner quelques conseils pour maintenir une pratique constante dans ton entraînement sportif. On en a parlé juste avant, planifier, donc mettre un calendrier en place en planifiant à l'avance et en respectant tes séances autant que possible. Tu les traites comme des rendez-vous importants, des rendez-vous que tu ne peux pas manquer. Ok, ce serait un manque de respect de rater un rendez-vous. Et ben là, c'est pareil avec tes séances d'entraînement. Ce serait un manque de respect envers toi-même et envers tes objectifs de rater ces séances. Donc, tu les tiens. Ensuite, fixer des objectifs atteignables, des objectifs qui sont réalisables à court terme et à long terme, en tenant compte déjà de ton emploi du temps, ton niveau de condition physique actuelle et de toutes les autres contraintes que tu pourras avoir autour. Si tu marques déjà ces deux points, les deux premiers points que je viens de te citer, et tu te rends énormément service. Si tu ne peux pas le faire, trouve quelqu'un qui pourra planifier ça à ta place. Ensuite, le troisième conseil, ça pourrait être de trouver un partenaire d'entraînement, trouver quelqu'un qui partage ta passion pour le sport, qui peut t'accompagner dans ton parcours. Un partenaire d'entraînement, ça peut t'aider à rester motivé et à maintenir cette régularité. En plus, ça rejoint le point de rendez-vous, donc le respect envers ton partenaire d'entraînement, et ça te permet de rendre des comptes aussi à quelqu'un. Et tu peux tirer la bourre avec. Varier les exercices, ça va t'éviter une certaine monotonie. Donc, intègre des exercices et des variantes dans ton entraînement. Ça peut t'aider à rester engagé et motivé pour pratiquer vraiment régulièrement. Les variantes, c'est super intéressant, et c'est pas parce que vous faites varier un exercice un jour par rapport à l'autre que vous allez vraiment être moins efficace. Vaut mieux quelque chose de moins efficient que quelque chose que tu n'arrives pas à tenir. En conclusion, même si l'intensité est très importante, la régularité est essentielle pour obtenir des résultats durables dans ton entraînement, des réels progrès, ceux que tu vas afficher sur le long terme. Donc, en t'engageant dans une pratique régulière, tu renforces ta discipline, tu réduis le risque de blessure, qui dit blessure dit stagnation. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Alors, oublie pas, avant d'accorder de l'importance à l'intensité, accorde-en à la régularité, et ça va vraiment favoriser ton parcours sportif. Pour terminer cette vidéo, je tiens à préciser que tu vas retrouver dans la bio dans la description de cette vidéo un lien pour réserver ton bilan gratuit avec moi afin de faire un point sur ton objectif et que tu repartes vraiment avec
que du positif, que du plus pour t'aider dans ton entraînement. Si tu apprécies mes vidéos et que tu as envie de voir ma méthode pour pouvoir réussir à faire atteindre à des gens, comme j'ai pu le faire avec déjà des dizaines de personnes, leurs objectifs, eh ben n'hésite pas, c'est offert. Tu as le lien dans la description, réserve ton bilan avec moi, on en parle ensemble. En attendant, c'était Joe Training. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, l'important pour commencer, c'est de commencer. Je vous dis à très bientôt.